sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya. Bonjour Rosario. Bonjour Christina. Tu as regardé le concours hier soir ? Oui. Oh, Barbie était tellement jolie. Je suis si contente qu'elle ait gagné. J'imagine que le patron lui a organisé une énorme fête hier. Oui. À propos, est-ce qu'il est déjà là ? Non, pas encore. Oh. Ok. Est-ce que tu peux m'ouvrir ? Bien sûr. Merci. Priscilla. Bonjour mon amour. Qu'est-ce que je fais ici ? Comment est-ce possible que tu me dises ça après... Après la nuit magique qu'on a passée ensemble ? Ophelia ? Mais qu'est-ce que tu me dis ? Quoi, mais... Alessandro... Ça me blesse que tu ne te souviennes de rien ? La dernière chose que je me souvienne, c'est qu'on était au cocktail et... Et on a commencé à... se remémorer les bons moments qu'on a passés ensemble. Ensuite, tu m'as demandé de te ramener ici, dans mon appartement. Et on a passé une nuit plus merveilleuse que jamais. Je n'oublierai jamais. Jamais. Bonjour, Rosario. Je suis de retour. C'est ce que je vois. Qui l'aurait cru, hein ? Après tout ce qui a bien pu se passer, voilà, je suis de retour. Priscilla, je ne me souviens de rien. Je ne comprends pas comment ça a pu se produire. Non mais... N'essaye pas de chercher des explications, mon amour. Au fond de toi, tu sais que tu m'aimes encore et... Tu me l'as prouvé toute la nuit. Non, cette nuit, ça n'aurait jamais dû se produire. C'était une erreur de ma part. Je te demande pardon. Comment ça, ça n'aurait jamais dû se produire ? Mais ça s'est produit. Ça s'est produit. Et j'en ai la meilleure preuve ici. Et il ne me reste plus qu'à informer tout le monde de ce qui s'est passé. Et voilà. Et voilà, mon amour. Tu sais, Rosario, pendant tout le temps où j'étais suspendue, j'ai bien réfléchi. Et c'est vrai. Je reconnais que je te dois une explication. Et pourquoi donc, Ophelia ? Eh bien, pour avoir caché les transcriptions que tu as faites et aussi ton invitation à la fête de Barbie. Mais je te répète que tout était l'idée de Mademoiselle Priscilla. Je n'ai fait qu'obéir à ses ordres. Ok, Ophelia, c'est du passé. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier d'avoir eu la gentillesse de demander au patron de ne pas me renvoyer. Oh, ce n'est rien, Ophelia. Pour moi, tu sais, c'est tout oublié. Parfait. Je voulais juste en finir avec cette histoire pour être sûre de ne rien te devoir. Montalban et Martinez, comment puis-je vous aider ? Qui est-ce ? Mademoiselle Priscilla ? Ne me dis pas que c'est toi, Ophelia.
Si. Et je suis très contente de vous parler, mademoiselle. Je vous assure que ça n'a jamais été mon intention de vous nuire, mademoiselle. Ce n'était pas ton intention, mais tu l'as fait. Et à cause de toi, Rosario travaille encore là-bas. Je sais. Mais je vous jure que je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière et pour corriger mon erreur. Pardonnez-moi, mademoiselle Priscilla, je vous en prie, je vous en supplie, oublions ça. Bon, d'accord, si tu tiens vraiment à te rattraper, Ophelia, je vais t'en donner tout de suite l'occasion. Nacho, dépêche-toi, regarde un peu l'heure qu'il est. Oh maman, parle moins fort. Mes oreilles sont encore endormies et j'ai très mal à la tête. Tu vas encore arriver en retard chez Vicente, et moi je n'aime pas ça du tout. Oh maman, c'est normal que les jeunes sortent le soir pour faire la fête de temps en temps, tu ne crois pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu fabriquais à ce concours de beauté hier soir, hein? Oh mademoiselle, je ne veux vraiment plus avoir de problème avec mon patron, vous comprenez? Tu n'en auras pas. Tout ce que je te demande, Ophelia, c'est de transmettre un message à Rosario, de ma part. Je le lui aurais dit moi-même s'il avait décroché, mais... En y réfléchissant, c'est beaucoup mieux que tu le fasses, toi. Ok. Et quel est votre message? Oh, maman, et comment tu sais que j'étais au concours? Parce que je t'ai vu hier à la télé, mon roi. Non. Moi, à la télé? Oui. Et tu étais, mon chéri, magnifique. Tu vois, maman, tu peux être fière de ton fils. Même la petite Cécile a dit à quel point elle te trouvait beau. Je crois que tu lui plais beaucoup, hein? Oh, maman, je plais à toutes les femmes. Oh, arrête, tu es terrible, mon garçon. Attends. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi je demande que tu me ramènes ces vêtements de ton travail. Il faut que je sois beau pour passer à la télévision nationale. Hein? J'y vais. Je t'aime. C'est l'heure de votre médicament, Madame Regina. Oh, j'en ai marre de devoir avaler toutes ces pilules. Croyez-moi, je comprends. Mais c'est pour votre bien. Oui, bien sûr que c'est pour mon bien. Oui, vous dites tous la même chose. Oh, j'ai envie d'aller mieux, ne serait-ce que pour remonter dans ma chambre. Je n'aime pas celle-là, pas du tout. Elle est trop petite pour moi. J'en ai ras-le-bol de ça, ras-le-bol de tout. Excusez-moi. Je t'écoute. Madame, vous avez un appel de votre filleule. Donne-moi ça. Priscilla, ma chérie, tu as bien dormi au moins? Oh, tu dois être très fatiguée après la soirée d'hier soir, hein? À propos, tu étais resplendissante à l'image comme d'habitude. Quoi? Comment ça, Alessandro a passé la nuit avec toi? Ma petite, franchement, tu es très maladroite. Je suis désolée, madame, la cuillère m'a glissé des doigts. Bon, allez, arrête de nettoyer et sors d'ici. Tu reviendras tout à l'heure quand ce sera l'heure de prendre mes médicaments. J'espère que tu es plus prudente avec mes cachets au moins. Espérons que tu ne me tues pas d'une overdose. Oh, n'exagérez pas, madame. Oh, toi, tais-toi. N'essaie pas de la défendre. Ce verre qu'elle a fait tomber était très cher. Je vais le dire à mon fils, je vais le noter ici pour qu'il le retire de son prochain salaire. Tu es prévenue. Allez, maintenant dehors, du balai. Oui, madame. Oh, incroyable. Mes amis de la presse, mademoiselle Barbie Montalban va nous lire quelques mots qu'elle a préparés spécialement pour vous. Votre attention, s'il vous plaît. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici. Chers professionnels de la presse, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisie pour représenter la beauté sud-américaine aux États-Unis. En tant que telle, je me promets d'être un exemple pour les jeunes filles de mon âge, de participer à des œuvres caritatives en faveur des jeunes en difficulté dans tout le pays. Je m'engage aussi à respecter toutes les règles de ce concours et d'être la digne représentante du titre qui m'a été attribué. Je souhaite aussi remercier Dieu
et également ma famille pour m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Je vous aime tous. Tu as été divine, Barbie. Merci. Merci. Waouh, je n'arrive pas à le croire, Nacho. Tu as accepté d'être le petit ami officiel de Barbie. Non. Attends une minute, Felipe. C'est Barbie qui a cru que ça coulait de source. Et ensuite, moi, je l'ai pas refusé. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rien. Non, mais ça veut dire que tu vas officialiser les choses. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Alors quoi? Écoute, tu ne comprends pas que si elle pense qu'on est officiellement en couple, ce sera beaucoup plus simple de la convaincre de faire grand saut avec moi. Ah, je vois. Je te parie 100 dollars que ça ne va pas tarder à arriver. 100. Bien alors, commençons les questions, si vous le voulez bien. Mademoiselle Montalban, qu'aimez-vous le plus dans la vie? La couleur rose. Bien sûr, ridicule. Et ce que vous détestez? Les personnes jalouses. Je me sens vraiment très triste pour elles. Je veux dire, souffrir d'une maladie aussi complexe et dangereuse. Avez-vous un copain? Bien sûr que non. Les règles du concours interdisent à la reine d'avoir un petit ami pendant la durée de son règne. Excusez-moi, Freddy, mais j'aimerais bien entendre ce que Mademoiselle Montalban a à dire là-dessus. Je vous écoute. Puisqu'elle a été filmée hier soir en train de danser avec un jeune homme. Avez-vous un petit ami, Barbie? Et si oui, alors est-ce que vous seriez prête à sacrifier votre nouvelle couronne pour ce jeune homme? Oh mon Dieu, pourquoi Alessandro n'est pas encore là? J'espère qu'il ne m'est rien arrivé de grave hier soir et qu'il va bien. Je constate que les choses ici n'ont pas tellement changé en mon absence. Pourquoi tu dis ça? Parce que je viens de parler avec Mademoiselle Priscilla au téléphone. Et d'après ce que j'ai compris, elle est toujours en couple avec mon patron. À propos, rappelle-moi de dire à Maître Montalban, quand il sera là, qu'il a oublié son portefeuille ce matin en partant de son appartement. Ils ont sûrement passé la nuit ensemble, ces deux-là. Eh bien, je... Qu'avez-vous à répondre, Barbie? Vous avez un copain? Oui ou non? Pourquoi tu ne dis rien, Rosario? Qu'est-ce qui se passe? Rien. On dirait que ça te contrarie de savoir qu'ils ont passé la nuit ensemble. Écoute, s'il te plaît, Ophelia, je n'ai aucune envie de parler de ça. Je comprends. Je comprends parfaitement. Barbie? Pourquoi tu ne lui réponds pas? Dis-lui que tu n'as pas de copain. Dis-lui. Non. Non, je n'ai pas de petite amie. Excuse-moi. C'est quand même vrai que la vie est injuste, hein. Le patron m'a suspendu pour avoir commis ces petites erreurs contre toi, chose que j'ai faite sous les ordres de Mademoiselle Priscilla. Mais il s'avère qu'il a quand même couché avec la vraie coupable. Ça prouve que quand on aime, on peut faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. On peut tout pardonner. Bon, vous l'avez entendu de sa propre bouche, Mademoiselle Barbie Montalban n'a personne dans sa vie. Elle sera une digne représentante de son titre de reine. C'est la fin de notre conférence de presse. Alors, nous vous remercions tous de votre présence et on se voit au petit déjeuner. Fantastique petit déjeuner. D'accord? Ce sera tout. Et s'il vous plaît, applaudissements pour notre reine. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il faut toujours que tu défendes ce genre de personnes.
Parce que cette petite est très responsable et travailleuse. Et c'était un accident, rien de plus. Oui, mais un accident inacceptable. Enfin bon, assez. Je n'ai plus envie de parler de ça. Là, je veux juste réfléchir à la nouvelle que m'a annoncée Priscilla. Après ce qui s'est passé hier soir, je suis sûre que mon fils finira par se réconcilier avec elle. Tu verras. Tu verras. Sandra ? Ophélia ! Bienvenue, ma chérie. Merci. Comment vas-tu ? Ça va. J'avais vraiment hâte de revenir. Ah, c'est vrai ? J'ai plein de choses à te raconter. Vas-y, assieds-toi. Merci. Assieds-toi. C'est génial. Moi aussi. Ah bon ? Mais toi d'abord. Eh bien, tout ce que je t'avais dit a fini par se produire. Alessandro a rompu définitivement avec Priscilla. Quoi ? Oui, il l'a quittée pour Rosario. Pourquoi tu rigoles comme ça ? Je te jure que c'est vrai. Je ne sais pas, mais on dirait que c'est moi qui ai un scoop à t'annoncer. Quel scoop ? Maître Montalban et Mademoiselle Priscilla se sont remis ensemble. Et la nuit dernière, il a dormi avec elle dans son appartement. Non. Oh non, Seigneur, c'est impossible. Alessandro n'a pas pu passer la nuit avec Priscilla. Oui, oui, Ophélia a dû se tromper. Rien de tout ça n'est vrai. C'est impossible. Vous avez été génial, Votre Majesté. J'ai toujours su que vous arriveriez à éliminer cette fille sans peine. Ophélia a probablement déjà dit à Rosario qu'Alessandro a passé la nuit avec moi et... J'aurais bien aimé voir la tête que cet idiote a dû faire. Et en plus de ça, Alessandro va sûrement vouloir revenir pour son portefeuille. C'est exact, Maria. C'est exact. Et moi, je vais rester ici, à l'attendre. Tu es bien sûre de ce que tu me dis, là ? Absolument sûre, elle me l'a raconté elle-même avec tous les détails. Apparemment, Maître Montalban n'a pas eu d'autre choix que... Ophélia. Maître Martinez ? Je vois que tu canquennes toujours sur ton patron. Non, j'étais juste en train de... Tu viens de revenir. Et tu cherches à te faire suspendre de nouveau ? Comment vas-tu comprendre que la vie privée de ton patron doit être respectée et ne te regarde pas ? N'est-ce pas, Sandra ? On se voit plus tard. Oui. Excusez-moi, Maître Martinez. Viens dans mon bureau. Il faut que je te parle. Désolée, mais là, je ne peux pas. Je suis très occupée. J'ai dit maintenant ! Barbie, ma chérie ! Ah, je suis tellement content, tellement heureux que ce soit toi qui aies gagné le concours. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'avec toi, on peut même gagner des concours internationaux. Non, Freddy, je veux pas faire d'autres concours. Pardon ? Si tu veux qu'on se dispute encore à propos d'hier soir, tu perds ton temps, Esteban. J'ai pris ma décision. Si tu me quittes, je vais dire à tout le monde que... Je ne comprends pas, Barbie. J'étais persuadée que tu adorais les concours. Si, mais ce serait encore une année sans petite amie, non ? Mais ça, on s'en fiche, Barbie. Barbie, pense une minute à l'immense succès qui nous attend tous les deux. Écoute, avec ta victoire, mon agence deviendra très célèbre et toi, tu seras une vraie star. Ce n'est pas ce que tu veux ? Si, mais... Non. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au juste ? C'est que... Je sais pas comment te dire ça, Freddy. Mais enfin quoi ? Dis-moi. Freddy, je peux être super honnête avec toi ? Alors ? Parle, dis-moi ce qui se passe, allez, dis-moi. Bon, eh bien... Tout à l'heure, j'ai menti au journaliste. Quoi ? Oui. Bon, en fait, la vérité, c'est que j'ai un copain. Quoi ? Pourquoi ce baiser ? Je croyais qu'on allait se disputer. Non. Au contraire, je veux qu'on arrange les choses. Hier soir, j'ai réalisé que si je suis encore avec toi, ce n'est pas à cause de notre fils, mais parce que je t'aime. Esteban, mon amour, j'ai toujours su que tu m'aimais autant que je t'aime, toi. Bon, alors calme-toi et on oublie toutes tes menaces. J'ai tout oublié. Et arrête aussi avec tes scènes de jalousie, parce que ça aussi, ça me fatigue.
Je reconnais que c'était stupide de ma part de penser qu'entre toi et Rosario, il y avait quelque chose. Je ne te le fais pas dire. Elle, c'est une traînée qui court après Alessandro, et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est lui montrer son vrai visage. Eh bien, ne t'inquiète pas trop parce que ça ne se passe plus très bien pour elle. Pourquoi tu dis ça ? Apparemment, Alessandro s'est remis avec Priscilla. Et hier soir, ils ont dormi ensemble. Ah, ma chérie, ne t'en fais pas. Qui sait ce que cette femme a dû faire pour s'asseoir à côté de ton petit ami ? Je suis sûre qu'elle s'est imposée, comme d'habitude. Mais oui, Rosario, ce serait horrible si c'était ton petit ami qui l'avait invité, hein ? Je te cherchais, Rosario. Moi ? Oui. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, bon, ben je t'écoute. J'ai appris qu'Alessandro s'était réconcilié avec Mademoiselle Priscilla. Remarque, c'était plutôt logique à mon avis. Comme on dit le proverbe, on dit que l'amour intense peut renaître de ses cendres. Écoute, Sandra, tu es venue jusqu'ici uniquement pour me dire ça ? Bien sûr que non. Maintenant qu'Alessandro n'a plus ce béguin débile pour toi, je vais te donner un conseil. N'espère pas te rapprocher de quelqu'un d'autre, ma belle. Je ne sais pas, Esteban par exemple. Fais très attention avec ça. Ah, Freddy, tu sais, si tu connaissais Rodrigo, tu saurais pourquoi je l'aime autant. C'est un homme incroyable. Il est beau, sympathique, sensible. C'est un grand professionnel. Mais tu sais quoi ? C'est surtout un homme bien. Oui, oui. Il a l'air merveilleux et franchement, je suis très content pour toi. Je savais que tu me comprendrais, Freddy. Bien sûr que je te comprends. Je constate que tu as énormément de chance d'avoir un homme aussi spécial à tes côtés. Oui, je sais. Mais les règles du concours sont très claires. Je regrette beaucoup, mais à partir d'aujourd'hui, ta relation avec ce garçon est terminée. Désolée. Rosario, où est Alessandro ? Pas encore là. Ok, alors je te laisse ces formulaires qu'il faut déposer à l'immigration le plus vite possible. Dis-lui qu'il faut qu'il les signe dès son arrivée. D'accord. À propos... Et puisque nous sommes seuls, j'en profite pour te dire que je suis désolé pour ce qui se passe entre vous. Je ne pensais vraiment pas que cela arriverait aussi vite. Enfin, pour tout te dire, je m'en doutais quand même un peu. Il semblerait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de parler de la même chose. Eh bien, c'est sûrement parce que tout le monde se doutait qu'Alessandro jouait seulement avec toi, et maintenant, il est de nouveau avec Priscilla. Mais n'oublie pas que moi, je suis toujours là pour te consoler. Bonjour, Rosario.